Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 11 janvier 2017 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambidé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Mme Niale Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Abdourahman Cissé, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Jean-Claude Kouassi, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjoint du gouvernement, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Raymonde Goudou Kofi, ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur François Albert Amichia, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama Kwaku, ministre des Infrastructures économiques, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des Énergies renouvelables, M. Thierry Tano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Ramata Li Bakayoko, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Monsieur Pascal Abina Kwaku, ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Souleyman Diarra Souba, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Claude Isaac D., ministre des Eaux et Forêts, Général Issa Koulibaly, ministre de la Protection de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Thiemoko Touré, ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré, au titre de la Présidence de la République. Le Président de la République a également procédé
à la signature d'un décret portant nomination à la présidence de la République. Ainsi sont nommés ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jeannot Kouadio-Aoussou, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachy, ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birama Ouattara, ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Alain Richard Donvahy. Par ailleurs, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra ce jour à 16 heures au palais de la présidence de la République. Fait à Abidjan le mercredi 11 janvier 2017, je vous remercie.